Salut les amis, comme vous avez dû le voir sur la miniature je pense, et même enfin plutôt le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu morose, un peu triste que je vais faire aujourd'hui sans vraiment de montage, comme ça un peu sur le vif, pour vous parler voilà, de l'annonce qui a été faite ce matin de Novak Djokovic, qui voilà, après c'est, je pense à cause de ses nombreuses déconvenues ces derniers mois et ces dernières années surtout, a décidé de mettre fin à sa carrière après l'US Open cette année. Donc il a annoncé l'annonce ce matin sur son Twitter officiel et sur Facebook. Donc l'annonce a bien sûr fait l'effet d'une bombe, surtout que personne s'y attendait. Il venait de mettre fin à sa collaboration avec Agassi, tout ça. Mais bon, on pensait qu'il pouvait peut-être remonter la pente au cours de l'année, au cours de la saison sur terre battue ou gazon. Mais bon, il a décidé de prendre voilà, sa retraite sportive pour pouvoir soulager son corps et essayer d'avoir... voilà, une prochaine vie plus agréable et moins de souffrance sur le court, voilà, et moins s'investir dans le tennis qui est vraiment ce qui lui prenait tout son temps, et voilà, pouvoir plus se consacrer à d'autres activités, à sa famille et tout. Donc il l'a annoncé ce matin, on est tous bien tristes, moi le premier, comme bon, certes je suis un grand fan de Roger Federer, mais faut pas nier que Djokovic a vraiment apporté énormément au tennis de par son jeu, de par son charisme, d'une certaine façon, sa vision du tennis. Donc je suis assez triste, donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous annoncer comme ça mon ressenti à vivre de cette annonce. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette annonce, si vous êtes comme moi assez touché de voir un des manques du Big Four, un des plus grands joueurs de l'histoire, on peut dire, comme ça, quitter un peu précipitamment le tennis, mais bon, c'est lui qui a pris la bonne décision. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sur un ton, j'espère, un peu plus joyeux. Allez, bye bye.